Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview avec Kacem Zoughari sur la chaîne Corps et Esprit Martial. Alors, je fais de suite la pub parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas faite, vous avez vu plusieurs interviews de lui. Il a fait d'excellents livres, vous aurez en lien tous ses livres. Là, à l'interview, on la tourne, son livre sur Takamatsu n'est pas encore sorti, un livre en anglais. Il devrait être sorti par contre entre-temps, donc je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai en description aussi son dernier lien qui est Budo Show, le lien de son club bien sûr, et voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre. J'en profite du petit moment promo pour vous dire que vous avez les 3 livres, les 3 e-books gratuits avec les conseils d'experts, 15 experts qui vous donnent des conseils, Léo Tamaki, Lionel Froidure, Jean-Charles Juster, Pierre Porto Carrero, voilà, Georges Charles, enfin plein de conseils pour améliorer votre pratique. C'est gratuit et c'est juste en description. Aujourd'hui, justement, on va parler du thème « Faire évoluer votre pratique » et quelle est surtout l'évolution historique, comment ça se passe cette évolution-là. Comme Kacem est historien, ça va être passionnant. Kacem, aujourd'hui, donc, on a dit on parle d'évolution des pratiques, mais pour toi déjà, est-ce que c'est obligatoire qu'une pratique évolue? Bon, si on parle d'évolution pour l'être humain, il est normal que ce qu'on a vu hier devrait changer dans 10 ans. Mmh. Hein. Mais puis après, il y a des choses qui, je ne vais pas dire qu'elles restent telles quelles, mais si on considère le terme de ryu en japonais, donc hein, Shotokan Ryu, Wichi Ryu, Goju Ryu, Katorishinto Ryu, ryu ne signifie pas école en japonais. Hein, si on veut parler d'une école, on va utiliser le terme de Gakko, qui veut dire vraiment l'école en japonais. Et quand on parle de ryu, on parle de courant, donc un courant de pensée. On peut parler de cercle aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est pas fermé sur l'extérieur, mais qui se fait entre un petit groupe de personnes, en général 1, 2, 3 personnes. Donc le ryu, c'est quelque chose qui continue, c'est une sorte on dit aussi nagare, donc la continuité des choses. Voilà. Et comme toute chose, ryu implique qu'il y ait une continuité. Donc qui dit continuité dit automatiquement changement, adaptation au changement, faire face au changement, aller avec le changement. Si on regarde aussi l'histoire des arts martiaux classiques, donc des premiers ryuha, elle parle de guerrier qui doit faire face à la guerre, donc qui doit faire face à tout ce qui est horrible, méchant, l'efficacité en groupe ou à grande échelle ou à petite échelle, ou en combat singulier. Et donc, il y a des armes, et les armes, elles vont évoluer, être plus, pour être plus rapide au niveau de l'homicide, c'est-à-dire tuer plus rapidement, protéger plus rapidement, l'armure va évoluer, les tactiques vont évoluer, les stratégies aussi, elles vont devoir s'adapter. Donc, il est clair qu'il y a une évolution. Adaptation, c'est s'adapter, c'est faire face à la réalité. Donc, l'art martial, l'école, le ryu à l'époque, se devait de faire face à la réalité de l'instant T dans lequel le maître vivait et évoluait. Ce qu'il va transmettre, c'est à la fois ce qu'il a vécu, mais qui doit marcher aussi à l'instant T du disciple, parce que le disciple, il est quand même un peu sur le pont du maître, même s'il n'est pas dans l'autre rive, mais il doit aussi voir avec le temps où il vit et le temps futur. C'est ce qu'on appelle dans les arts martiaux classiques kako, genzai, mirai. Kako, le passé, genzai, le présent, mirai, le futur. Et il y a des makimono qui l'utilisent, j'en ai parlé dans d'autres conférences. Kako no jutsu, genzai no jutsu, gendai no jutsu, mirai no jutsu. La technique du passé pour faire face aujourd'hui, pour se construire aujourd'hui et faire face aux techniques du futur. En d'autres termes, l'évolution est logique. Certes, si demain il y a des sabres laser, je passe tout de suite aux sabres laser, avec grand plaisir d'ailleurs. Mais je suis sûr que ça va être hyper dur parce que si on touche, on peut se brûler. Enfin, il y a toutes les spécificités qui vont venir avec les nouvelles armes, la manière de le porter, la manière de le sortir, etc. Mais elles seront tous basées sur quoi? Sur une utilisation du corps. Et cette utilisation du corps, elle doit toujours aller en fonction et épouser la fonction de l'arme. Qu'est-ce que la fonction de l'arme? Pourquoi elle est utilisée comme ça? Et donc, elle va s'adapter à ça, elle va supporter le fait de la fonction de l'arme. Donc oui, il y a une évolution. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on entend par évolution? Qu'est-ce qu'on doit gommer? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Qu'est-ce qu'on doit renrichir? Est-ce qu'il y a des choses à gommer? Est-ce qu'il y a des choses à renrichir? Ou est-ce qu'il faut garder les choses telles quelles? Qu'est-ce que veut dire garder les choses telles quelles? Si c'est pour rester bloqué et fermé, utiliser des techniques qui ne vont jamais marcher ou qui ont marché au XIVe siècle, mais qui ne marchent pas au XVIe siècle, ce ne sont pas de bonnes techniques. Je comprends. Il faut quelque chose qui fasse ses preuves, peu importe le temps, peu importe la personne, et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme Ryu. Maintenant, bien entendu, l'être humain est ce qu'il est, il n'aime pas trop souvent l'évolution, même s'il parle d'évolution, il aime le changement, mais à sa manière confortable. Le changement, c'est jamais confortable. Le changement, c'est jamais confortable. Faire face au changement, faire face à l'évolution demande de l'adaptation. Donc, il faut adapter. Alors, adapter, c'est quoi? C'est passer du pistolet au sabre. Pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est comment on utilise le corps. Il faut simplement faire attention à qu'est-ce que ça veut dire évoluer. Par exemple, pour prendre le cas du Bujinkan, on a un Américain qui s'appelle Stephen K. Hayes, qui est à l'origine de pas mal de choses en ninjutsu et qui dit « Moi, je mets le ninjutsu, ce que fait Atsumi, qui n'est même pas capable de faire parce que techniquement, ce qu'il fait, c'est nul. » Ça ne marche pas, je vais moderniser la pratique parce que nous, voilà, dans la vie, on fait ça. Personne dans la vie fait de la boxe, dans la rue, personne fait de la boxe, quand ça s'attaque, mais voilà. Pour lui, il a même pas modernisé, il a américanisé à sa vision, à lui. Comme d'autres vont dire, voilà, j'enseigne le karaté français. Parce qu'on était français, on doit le comprendre comme ça, où je vais renseigner le judo français, ou le judo français, ou le ninjutsu français, pourquoi pas. Donc, tu vois, tout ça, moi, je regarde, non, la France, c'est la France, les États-Unis, c'est les États-Unis. Un être humain, quel qu'il soit, il est le même dans n'importe quel pays. Il boit de la même manière, l'eau passe pas de la même manière, il dit oui et non de la même manière, et la couleur du sang est la même partout. Ce qui va changer, c'est des données culturelles, des données sociologiques. Si tu veux enseigner dans un cadre légal, à savoir avec un diplôme d'État, etc., tu vas devoir suivre des règles dans un cadre bien spécifique. Maintenant, il va falloir t'adapter à ça et évoluer dans ce cadre-là. Si tu es dans un cadre de règles, c'est pareil. Maintenant, tu veux créer ton école, être ton gourou. Ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution, elle est aussi dans la connerie. La connerie évolue. Voilà. Et la stupidité aussi. Il y a une tradition de la stupidité et il y a une tradition de la connerie. C'est-à-dire que les gourous qui existaient auparavant, ils existent aujourd'hui, ils existeront dans le futur. Donc, maintenant, si on veut regarder ça dans l'art martial, quelle que soit l'école, si ça marchait hier, ça marche aujourd'hui, ça marche demain. Ça s'adapte, ça passe. Et il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas à raconter ou quoi que ce soit. Par contre, toutes les personnes qui vont dire « je le fais comme ça aujourd'hui parce qu'avant c'était comme ça et que ça ne fonctionne pas aujourd'hui », c'est quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionnait avant parce que d'abord, il n'y vivait pas. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte et les comprendre. C'est comme dans une technique, il y a la traduction littérale et le message derrière la technique. Qu'est-ce qui est pédagogique ? Qu'est-ce qui est fait pour enseigner à l'instant T, pour développer telle ou telle capacité? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la vraie technique pour tuer? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la transmission et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'enseignement? Parce que ce n'est pas pareil, transmission et enseignement, c'est lié, mais c'est différent. Donc, encore une fois, il faut comprendre le contexte des choses, ne pas faire un amalgame, faire très attention et être très, très respectueux dans le fait d'aborder les choses. En d'autres termes, étudier, pratiquer, chercher, analyser avec l'esprit du passé, mais avec le cœur du présent. Rester dans le présent, dans l'époque où on vit. Moi, demain, tu me demandes de retourner au XIIe siècle, XIVe siècle, même si je suis un historien, je fais « mais t'es malade, toi !» Moi, j'ai besoin de mon portable, j'ai le Wi-Fi, j'ai tout ça, je lâche pas sur ça. Même si c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard dans mon âge, parce qu'il n'y en avait pas quand j'avais 20 ans. Mais ben voilà, il faut vivre avec son temps, accepter son temps, mais ne pas oublier les temps anciens, parce qu'ils nous enseignent beaucoup. Justement, quel est l'intérêt d'étudier l'histoire d'une discipline, l'histoire d'une pratique pour un pratiquant? D'abord, je pense que l'étude apporte le respect, enseigne le respect, enseigne que c'était pas facile avant. Et qu'il y avait des choix à faire. Ça amène aussi, tu vois, il y a le terme de keiko en japonais, que tout le monde traduit par entraînement, training. Ça ne veut pas dire ça. La première fois qu'on trouve ce caractère, on trouve d'ailleurs dans des denshō de jujitsu, dont l'un qui est le rio shinto ryu, qui avait été fondé à partir de l'école Shinkage-ryū. C'était des élèves qui avaient pratiqué avec yagu monenori et yagu Jubei, pour ne pas dire. Donc là, on parle, c'est pas des pointures. Comme dirait l'autre, au-dessus, c'est le soleil. Donc, Dans Seidensho, il utilise le terme de keiko, qui, quand tu le lis, c'est deux caractères, c'est inishii au kangaeru, qui signifie réfléchir aux choses du passé. Donc, quand, par exemple, tu t'entraînes, c'est un lien direct avec ce que ton maître faisait et les difficultés auxquelles il a dû faire face, les problèmes familiaux, sociologiques, contextuels dans lesquels il vivait, et comment il a fait pour pratiquer, qu'est-ce que sa pratique lui a amené. Et le fait d'étudier ça amène le respect. Comprendre comment nos parents ont fait pour que nous, un jour, on puisse faire des études plus facilement qu'eux, qu'on ait accès à plus que eux. Ça force le respect. Et oublier le respect de ce qu'on a pratiqué, vous êtes sûr, t'es sûr, on est tous sûrs que ceux qui viendront pratiquer, nous ne respecterons pas, nous marcherons dessus, si ce n'est pas pire. Donc, je pense que l'étude est importante. Il n'y a pas de pratique sans étude et il n'y a pas d'étude sans pratique. Est-ce que, tu as parlé d'Internet aussi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, Internet, aujourd'hui, pour les pratiquants? Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui fait qu'ils vont papillonner dans la pratique? Ou est-ce que, voilà, quel est l'intérêt d'Internet dans la pratique martiale, selon toi? Alors, bon, il y a toujours eu des gens qui ont papillonné dans la pratique, hein. C'est toujours existé, sauf que, bon, en fonction des périodes historiques, tu as moins de personnes qui papillonnent au XIVe siècle qu'il y en avait au XVIIe siècle et encore moins, encore plus de nos jours. L'Internet est un très bel outil. Très bel outil, ça apporte beaucoup de choses, mais comme tous les beaux outils, il a toujours ses versants moins glorieux, plus problématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit un sport ou dans l'art martial, c'est une question de mouvement, de pratique. C'est quelque chose qui doit se vivre intérieurement et extérieurement, et ça doit être basé sur l'expérience vécue. Donc l'expérience de la douleur, l'expérience de la relation, l'expérience de la trahison, Game of Thrones si tu veux. Voilà. Ça c'est très important. Et ça ne peut pas aller sans ça. C'est-à-dire qu'il faut le contact, il faut la rencontre. Et dans le mot rencontre, il y a le mot contre, très intéressant. Hein. Donc il faut tout ça. L'Internet doit, à mon sens, aider à enrichir, à supporter la rencontre et la pratique. Auparavant, on avait besoin de faire des kilomètres pour avoir des sciences et du savoir. Aujourd'hui, on les a sur un clignement de doigts. Alors, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que ça sera toujours différent de quelqu'un qui est parti dans des bibliothèques, qui a cherché, qui a ouvert des livres, qui n'a pas utilisé Google Translate, qui s'est cassé la tête, a rencontré plusieurs professeurs, plusieurs maîtres, des voleurs, qui s'est fait arnaquer. Ce n'est pas la même richesse d'un point de vue vécu. Là, tu appuies sur Internet, tu as déjà je ne sais pas combien d'auteurs, tu as je ne sais pas combien de traductions, plus ou moins bonnes, mais elles sont là. Il ne faut pas non plus complètement les annihiler. Elles sont là, il faut les utiliser, mais il faut aussi les remettre dans leur contexte et leur donner leur poids, point à la ligne. Donc, Internet est très intéressant parce que, tu vois, ça nous permet de parler comme ça, sans que tu sors de chez toi, sans que je sorte de chez moi pendant une période où c'est un peu difficile. Ça te permet aussi de communiquer avec des gens de plusieurs pays. Tu peux envoyer, parler à un maître. Quelqu'un qui était très proche d'un maître, à l'époque, il fallait des lettres. Moi, j'ai beaucoup de lettres avec Katsumi Sensei et Shizuka Sensei. J'en ai plus de 400 à eux deux. Donc, tu vois, j'en ai un paquet des lettres. Je les écrivais en japonais, etc. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Maintenant, je peux les appeler. Je peux avoir leur voix. Je peux les voir. C'est quelque chose de magique. Tu vois, pouvoir parler à ses parents, avoir une image d'eux, c'est magique. Et comme tout ce qui est magique, si c'est mal utilisé, ben, voilà. Donc, l'Internet, c'est très bien, ça apporte beaucoup, mais ça ne peut pas se substituer à un maître, ça ne peut pas se substituer à la rencontre, ça ne peut pas substituer au vécu. C'est un support, point. Quand on répète ce qu'ont fait les maîtres, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on doit ajouter son grain de sel, entre guillemets, ou, tu vois, mettre sa personnalité? Ou est-ce qu'on doit, au contraire, répéter fidèlement? Enfin, ça ne veut pas dire qu'en mettant son grain de sel, c'est pas fidèle. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Je m'explique bien. Désolé, des fois, je suis un peu maladroit. Mais, Non, j'ai très bien compris. Tu as très bien expliqué. Il y a un terme que j'ai entendu, moi, plusieurs fois d'Atsumi, d'Ishizuka et de d'autres maîtres. C'est « Jikkoryu ni naranai ». Jikkoryu ni naranai. Ne crée pas ta propre école. Sous-entendu, ne fais pas ta propre source. Voilà. Alors, maintenant, il y a des choses qu'il faut comprendre. Dans un ryu, tu as différents maîtres. Chaque maître est à la fois la réflexion de ce que faisait le maître auparavant, mais avec son présent. dans le futur, on aura peut-être quelque chose de encore plus perfectionné, ce qu'on utilise aujourd'hui pour parler, peut-être ça sera un hologramme, ça sera encore mieux. Et ben, la personne qui sera le prochain successeur de tel maître devra utiliser ça, mais sans oublier ce que son maître lui a enseigné et le faire. Il y a des choses culturelles qui passent, des choses qui ne passent pas. Mais elles ne sont ni un frein, tant qu'elles ne sont pas un frein à l'enrichissement de la pratique, pas de problème. Parce que l'enrichissement, c'est le respect. C'est en fait de la valeur ajoutée, de la valeur positive ajoutée. Maintenant, si je viens voir ce que tu fais, voilà, tu fais un truc, mais j'arrive pas à le refaire. J'arrive pas à le refaire comme toi. Et quand je le fais, c'est pas classe comme toi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma sauce. Je vais le faire à ma manière parce que ce que tu fais, c'est toi, mais moi, je le pense mieux comme ça. Là, on rentre dans des petites choses d'ego. Il y a une phrase que j'aime beaucoup que Takamatsu Sensei a écrit à Atsumi. Je crois que c'est Toda qui l'a écrit. En japonais, c'est ça. Waga uniseru mono wa iki, waga uniseru mono, waga o katadoru mono wa shisu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est très important. C'est de l'ordre de l'enseignement et de la copie. Celui qui me ressemble vivra. Là, je te le dis naturellement. Et celui qui me katadoru, c'est qui me copie, mourra. Mais le caractère qu'il utilise pour katadoru, pour copier, c'est pas le fait de copier comme dupliquer, c'est le fait de rendre la personne comme une statue, c'est-à-dire de la copier si raidement qu'on en reste simplement à l'ornementation. Et celui qui copie, mais pas simplement, qui singe, quoi, celui qui singe le maître, tu vois, qui le singe, il faisait comme ça, alors je fais comme ça, tu vois. Mais techniquement, il n'y a rien, dans le fond, il n'y a rien. Mais celui qui le copie dans la surface comme dans la profondeur, et qui en plus de ça, a le cœur qu'il faut, va vivre et va faire vivre l'art. Pour te donner une meilleure image. Un jour, un maître appelle ses disciples et il leur dit « Écoutez, demain, c'est fini, je vous fais mon dernier speech, donc soyez là. » Alors les disciples, la nuit, il y en a un dans ce que vous savez, finalement, il s'est décidé, il se casse, je suis le plus ancien, c'est à moi qui file l'école et vous, les autres, vous me suivez et voilà. Ça, c'est l'un des premiers qui pense comme ça. Un autre qui dit « Oh là là, purée, demain, c'est le dernier enseignement, il faut qu'on soit là et tout, etc. Faut venir, ouais. » Puis il y a d'autres qui se disent, bon, bah, on sera là, on va voir. Le jour fatidique arrive, le maître fait son speech, personne n'écoute le speech, puisqu'il attend qu'il se casse. Voilà. Et avant de partir, il dit, avant de ça, je vais vous donner un dernier cadeau, ma dernière transmission, mon dernier enseignement à chacun d'entre vous. Et il a un sac à côté de lui, et du sac, il plonge sa main à l'intérieur, et il sort une pierre qu'il donne à chacun. Pierre identique. Et ça là-bas, comme aurait dit Kenshiro, il part. Le premier qui se la pète, et mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce truc? Purée, 15 ans, 20 ans à le servir, à apprendre, à servir ces trucs, et il me fait ça, salut, je crée ma propre école, maintenant vous me suivez, moi vous allez voir, New Age, voilà. Deuxième, le saboteur. Ouais, non, mais écoutez, moi, je vais vous dire, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Et cette pierre, c'est rien. On va la poser comme ça. Mais moi, j'ai compris. Il y a quelque chose dans la pierre. Alors, suivez-moi. Les troisièmes vont prendre la pierre. Ah, c'est la pierre, c'est le dernier. Ils vont le mettre sur un autel. Ils vont s'abaisser dessus. Il faut prier la pierre. Il faut prier la pierre. C'est... Puis, il y en a un, il va prendre la pierre, il va la regarder, il va commencer à la frotter, à la caresser dans tous les sens, à la lustrer. Il va trouver un diamant. Ils ont tous suivi l'enseignement, mais il y en a un qui va trouver un diamant de la transmission et les autres qui vont suivre leur ego, leur envie, leur folie, leur croyance. Très belle histoire. Voilà, pourquoi il faut copier le maître, mais pas le singer. Un très bon maître, ça se copie. Un exemple, ça se suit. Ça se copie, ça se suit, ça s'applique. Et on est tous, êtres humains, tous sur cette terre. Il y a deux choses pour lesquelles on se sent bien. On se sent bien quand on fait du bien, quand on dit quelque chose de bien, quand on a fait une action de bien, quand on a fait quelque chose d'utile, on se sent bien. Certains vont en tirer même un profit, même de l'arrogance, mais bon, disons que la première chose, on se sent bien. Et quand on dit quelque chose de mal, quand on fait quelque chose de mal, quand on attaque, si vraiment on est simplement, on va dire, humainement équilibré, stable, on ne se sent pas bien. Il y a un goût amer. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis après, le problème, c'est qu'il y a l'ego au-dessus, les croyances, il y a tout ce qui va venir se juxtaposer et qui va tuer, malheureusement, l'image du maître. mais on ne peut pas vivre sans l'image du maître. En ce qui me concerne, moi, suivre un maître, c'est plus important que devenir un maître. 95% des gens vont voir un maître connu parce qu'ils veulent devenir maître, parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent le pouvoir et mon truc. Quand tu veux devenir professeur, c'est parce que tu veux être professeur, celui qui professe. C'est quand même grand. Professeur, professe, prophétie. On va aller plus loin, prophète. Ça va très loin. Ça va très loin. D'accord ? Ceux qui veulent le Menkyo Kaiden, ceux qui veulent le diplôme, je suis diplômé d'État. En général, le gars, il met son nom, mais il met d'abord tous les diplômes, après il met son nom. Moi, je suis désolé, ça, c'est celui qui suit un maître dans l'humilité sera poussé à devenir maître, même s'il ne veut pas l'être. Tu as parlé de monter des écoles, créer une école. Aujourd'hui, c'est assez facile de créer des écoles. On en voit fleurir régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, cette liberté? Écoute, bon, c'est pas nouveau. Ça existait pendant la période d'Edo déjà. Avant, c'était un peu plus difficile avant Edo. Celui qui voulait créer une école, il se faisait tout de suite tester et en général, il crevait. Quand tu commences à avoir une multitude de personnes qui veulent apprendre, quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, il faut faire face. Certains veulent créer. En fait, ce n'est pas le fait de la création de l'école qui pose un problème, c'est les raisons derrière la création d'école. Certains vont dire « Oh, moi, j'ai l'enseignement dans la peau, je veux enseigner, je peux expliquer n'importe quoi à quelqu'un pour qu'il devienne bien. » Ouais, deviens professeur dans le cadre d'une école. Pourquoi tu veux créer ton école? D'ailleurs, si tu es vraiment un enseignant dans la peau, tu ne devrais pas le dire. Ça se verrait. Première chose. Si tu veux créer une école pour montrer que ce que tu fais, c'est plus efficace, ou si tu veux créer une école après 50 ans de pratique ou 60 ans de pratique, tu penses que, ton expérience a le mérite d'apporter quelque chose, tu veux créer ton école pour... Oui, pourquoi pas, mais bon, c'est toujours un peu arrogant tout ça, non? Le fait de créer... Alors, si c'est une école pour aider les gens, très bien, mais si derrière ça, on cherche la reconnaissance et on veut être le numéro 1, si l'école qu'on va créer, elle est basée, par exemple, sur des styles qui sont déjà connus, qui sont déjà là, qui existent déjà, qui ont déjà des représentants qui sont corrects, pourquoi aller dans une école, honnêtement? Maintenant, je comprends que certains veulent y aller. Si quelqu'un va dire, écoute, moi, je vais t'apprendre à être efficace en 5 ans au lieu de 20 ans avec ce maître, parce que j'ai trouvé le moyen pour aller plus vite. Écoute, tu sais quoi, trouve-moi le moyen qui va nous amener le prochain iPhone ou Samsung avec l'hologramme qui sort quand on parle. Vas-y, fais-le-moi tout de suite, là. Oui, ça, c'est des gens qui sont moins bienveillants ou qui sont plus dans la tradition. Je n'ai rien, moi, contre la création d'écoles si, et seulement si, elle est respectueuse d'abord de ce qu'elle a reçu, qu'elle est ouverte, et que tout élève qui vient chez elle, elle l'invite aussi. Écoute, moi j'ai appris comme ça, voilà, je t'invite à t'ouvrir et aller loin. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Quand il y a une filiation ou quoi que ce soit. Je n'ai rien contre la création de nouvelles écoles. Par contre, tu connais le proverbe, tout nouveau, tout beau. Voilà, il faut du temps. C'est comme pour un département en université, tu l'ouvres pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la recherche, il faut des professeurs qui soient calés, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, quand on crée une école, pour qu'elle... tu sais, le fait qu'on respecte, qu'on trouve de l'efficacité dans des textes comme Sun Tzu, et encore, j'en passe, Shima, Goma, Gorin no Sho, Musashi, ou encore d'autres textes, le fait qu'on aime les misérables et que ça touche, qu'il y a des textes littéraires qui touchent tout le temps, c'est parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils ont été écrits, qu'ils sont à l'épreuve du temps, ou plutôt qu'ils sont avec le temps, et ils ont compris, ils sont la preuve du temps. Donc, pour moi, créer une école, il n'y a aucun problème. Si elle est bien, si le gars elle est passé parce qu'il est charismatique ou quoi que ce soit, c'est très bien. Mais si on suit quelqu'un parce qu'il est charismatique, une école parce qu'elle est charismatique ou parce que c'est quelqu'un de connu, c'est voué à l'échec. Tôt ou tard, ça tombe. Il suffit de regarder Bruce Lee. Je suis un grand fan de Bruce Lee, comme beaucoup. Il commence d'abord par le Lee Jufwan, puis après, ça va passer par Bourdou Show, puis après, il y a le Jet Kundo, puis après, de Los Angeles, il va partir à Hong Kong, où il va rester, mais il n'a pas le temps de tout construire. Il laisse des élèves qui sont complètement laissés à eux-mêmes, avec des petits mouvements de Wing Chun, des mouvements de si. Bien sûr, il y a l'idée de Bruce Lee de tout mélanger, de regarder, prendre ce qui est utile, laisser ce qui est inutile. C'est assez arrogant, avec tout le respect que j'ai pour Bruce Lee. Moi, je ne dirais jamais quelque chose qui est inutile, parce que c'est peut-être inutile maintenant, mais ça sera bougrement utile. Et on voit dans ses films, lui-même, je suis sûr que s'il serait vivant, il aurait évolué, il aurait appris plein de choses. Il était très jeune quand il a créé son histoire. et les gens qui ont été pris dedans. Il faut voir aussi, on va dire, l'éclat et le rayonnement qu'il apportait déjà à des personnes qui n'avaient pas tout ça. Mm. Donc, baser quelque chose sur le charisme d'une personne, c'est dangereux. Mm. De la même manière, quand par exemple, on met quelqu'un sur un très haut piédestal, quand il tombe, on tombe avec lui. Mm. Je comprends. Par contre, miser sur la validité de l'enseignement. Si par exemple l'école est créée, mais elle met en place un enseignement qui marche, qui fait ses preuves, et c'est pas que le maître, parce que le maître a tel grade, parce que le maître est connu, etc., etc. Parce que s'il a créé quelque chose, tout ou tard il y a quelqu'un qui vient et qui créera la même chose. La manière dont il l'a créée, si elle est malveillante, si elle est faite de manière un peu malhonnête, comme c'est souvent le cas, ça part, ça s'oublie. Le nombre d'écoles qui ont été oubliées, simplement, dans l'art du sabre, on parlait de 200 à 300 écoles, dans l'art de lance, dans les écoles de jiu-jitsu, pareil. Ah oui. Ouais, on oui, pas. Bien sûr. C'est pas nouveau, ça. Et après, il y a des écoles qui sont restées parce qu'elles se sont stratifiées, parce que voilà. Et quelle est la place du grade pour toi? Est-ce que le grade a toujours été quelque chose déjà d'important d'un point de vue historique? D'un point de vue historique, bon, tu as les rangs chez les guerriers, mais en général, le grade, c'était le nombre de têtes que tu rapportais après un champ de bataille. Hein, c'est ça, les grades. Donc, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. L'efficacité, c'est le grade. Il n'y avait pas de grade. On va dire que la première attestation de transmission, c'était ce qu'on appelait un INCA, qui veut dire attestation de transmission, c'est tout. Ni plus ni moins. Tous les guerriers au XIVe siècle, XVe siècle qui suivaient un maître étaient déjà rompus au combat. Ils avaient déjà un nombre de cadavres dans leur placard et l'expérience du combat. Donc, voilà. Et ce qui comptait, c'était l'efficacité que tu étais capable. En fait, c'est l'action. L'action, c'est l'éducation. L'action, c'est le grade. Ensuite, t'es bon, ben, t'es repéré par un shogun, un daimyo qui te demande d'être instructeur dans son école. Voilà, c'est comme ça. C'était vraiment... Après, il faut attendre. On arrive pendant la période d'Edo, et notamment le milieu de la période d'Edo jusqu'à la fin, où bon, bah, là, les choses vont se sédentariser, il y a une paix relative qui s'installe, un contrôle... Et donc là, les guerriers qui n'ont pas la chance d'être au service du bakufu ou qui n'ont pas vraiment de, on va dire, ni lire ni écrire, qui peuvent pas qui n'ont pas de travail, quoi, qui sont pas, mais qui sont bons dans les arts martiaux. Hein, on ouvre une école, tac tac tac, on met des choses en place. C'est un gagne-pain, voilà. Et voilà comment les choses vont venir. Et là, on va poser des grades. Alors, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'était plutôt Mokuroku, Chumokuroku, Chugokui, Gokui, Shoden, Shuden, Okuden. Et il faut attendre un certain canon. C'est grâce à lui, hein, c'est lui qui va mettre en place le thème de Nidan, enfin Shodan, Nidan, qui est copié bien sûr sur le système militaire. Et lui-même est un, faut pas oublier, hein, Kano, avant d'être un pratiquant de jiu-jitsu, hein, pas très longtemps, il n'a pas pratiqué le jiu-jitsu très longtemps, faut le souligner, c'est un éducateur hors pair, pas à dire, c'est un éducateur, un pédagogue extrêmement intelligent, cultivé, donc, et qui enseigne donc à l'université, qui enseigne à des enfants d'une certaine classe sociale et qui aime le sport, qui a pratiqué le baseball. Je crois que c'est lui qui a ouvert le premier club de baseball. Faudrait voir la thèse de Yves Cado, très grand travail qu'il a fait. C'est lui qui a ouvert le premier club de baseball, je crois, au Japon. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aime le sport, c'est quelqu'un qui aime la culture physique, c'est quelqu'un qui voit aussi dans la culture physique quelque chose autre que simplement le physique. D'où le judo. Hein, le judo, c'est allier le meilleur du système des guerriers avec la modernité. C'est une des idées. Hein. Donc, faire des grades, avoir des classes 1, classe 2, classe 3, élémentaire, universitaire, ça devient logique, surtout quand on est un éducateur. Et à partir de là, c'est fulgurant, c'est plus facile que tout le système Menkyo Kaiden, écrire les makimono à la main. Ça, c'est sûr, ça c'est bien quand tu as 2-3 disciples ou quand tu as l'élève qui va te balancer. Ça existe encore aujourd'hui, 2 000 euros, 3 000 euros parce qu'il veut le Menkyo Kaiden, tu lui écris, il n'y a pas de problème. Ça existe encore au Japon. Ça s'achète. Ah oui, oui, bien sûr, mais bien sûr. Pas qu'au Japon, en Chine aussi, partout. Faut manger. Le maître a besoin de manger, donc ça existait déjà. Ça existait même dans les temples au Japon où on vendait des attestations d'éveil aux marchands parce qu'on avait besoin d'argent pour reconstruire telle partie de temple ou telle statue. Bien sûr, le grade, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de motivant, il y a tout ça. Hein. Il y a quelque chose de Shoshin dans le grade. Mais il y a quelque chose de Shoshin dans le grade, par rapport au grade, avec le grade. Et ensuite, quand tu as le grade, tu vois, bah bon alors, c'est bon. Donc le problème du grade, c'est qu'il va simplement marquer quelque chose qui est démontré devant un membre, jury, voilà, c'est froid, il n'y a rien. Et ça ne veut pas dire que ça fait de toi un être exceptionnel, que tu es quelqu'un de bien, de gentil ou quoi que ce soit. De la même manière, si tu es champion du monde ou quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu as fait un travail, tu as rempli les cases du travail, point. Je respecte le travail derrière, il n'y a aucun problème. Maintenant, le grade ne fait pas l'individu. Loin de là. Le grade ne fait pas l'individu. En ce qui me concerne, c'est ton nom, qui tu es, la vie et la manière dont tu agis, tes connaissances. Moi, plusieurs fois, quand on me demande, Kacem, c'est quoi ton grade? Je dis, bah, écoute, tu viens me voir, tu vois comment je bouge, tu m'essayes, tu me testes et tu me donnes le grade que tu veux après. Bon, et si je ne sais pas te grader, bah, tant mieux, ça me va. Ça va. Parce que j'ai aussi une autre opinion des grades aussi. Hein. Pour moi, un quatrième dan dans les 9 écoles, c'est très lourd. Les connaissances qu'il faut connaître, c'est très lourd. Donc, j'ai du respect pour les grades, mais je ne leur donne pas trop. Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient des Menkyo Kaiden, j'ai rencontré des gens qui étaient soqués, j'ai rencontré des gens qui avaient des diplômes d'État, qui étaient champions et qui pourtant, il n'y a rien qui me donne envie de faire comme eux. Donc, le grade n'est pas l'exemplarité. On a des gens qui ont des diplômes d'État qui sont pédophiles. Il y a des gens, il n'y a pas très longtemps, quand on entend ce qui se passe au niveau de la pédophilie, et pourtant, dans les grandes écoles, ça ne veut rien dire. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme d'État ou qu'on a un doctorat que forcément, on y répond. Forcément, voilà. Par contre, encore une fois, c'est la pratique, la personne derrière qui donne envie. On va pouvoir conclure donc du coup cette interview. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose sur l'évolution des arts martiaux, sur la façon dont ça évolue d'un point de vue historique, ou est-ce qu'un thème que tu aurais voulu creuser ou pas du tout? D'abord, la question était très bonne. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Tu vois, la question que tu as posée était simple, directe, à part de l'évolution des arts martiaux. Est-ce que oui ou non? La question en elle-même aurait pu être, entre parenthèses, le début d'une partie d'une thèse. Pourquoi, comment, à telle époque, en fonction de telle école. Certes, la question est générale, mais on aurait pu la centraliser, tu vois là. Donc, c'est une très bonne question. Il n'y a vraiment rien à redire. On peut encore en parler. On peut encore en parler, on pourrait faire du cas par cas, etc., etc. Mais je pense que c'était une très bonne question. En plus, tu as amené l'histoire de... c'est lié avec l'histoire de créer sa nouvelle école. Tu vois, par exemple, si tu es avec un maître qui a créé son école lui-même, que tu suis, c'est bien, mais qu'un jour, tu es amené ou qu'il a des élèves qui sont amenés à créer une nouvelle école. C'est pas un schisme, c'est logique. Il a fait, ses élèves font. Un élève est un maître à la base. Si tu es avec un maître, tu te casses pour des raisons X ou Y et tu dis je vais mieux faire, je reprends le même système et je vais enseigner de la même manière. Je prends le même système et je vais changer certains trucs, mais c'est le même système, c'est le même nom. Je vais simplement mettre mon sel. Mais c'est le même truc. J'appelle ça ninjutsu, mais bon voilà. Je vais rajouter un peu de boxe. Voilà. Alors que tu étais chez le maître qui t'a gradé et tout, et que tu te casses. Et que techniquement, tu ne vaux pas un clou comparé à lui. Lui, dans l'âge, il est toujours aussi bon, toi, tu es toujours pire. Et en plus, humainement parlant, tu étais exécrable. Là, dans ce cas-là, comme tu as fait à ton maître, tes élèves te feront. C'est comme tu as fait, on te fera. Ça, c'est un b.a.-ba. Donc, voilà ce qui peut se passer dans la création d'une nouvelle école. C'est toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Maintenant, il y a des personnes qui vont créer des écoles parce qu'ils ne sont pas contents avec les styles, mais 95% des gens qui créent des écoles, c'est qu'ils n'ont pas eu de vraie, véritable relation maître à disciple. Beaucoup. Ils ont eu des professeurs pendant un temps et ce qu'ils pratiquaient, c'était sportif et il y avait un manque au fond de leur cœur. Au moment où ils ont touché le sommet de toutes ces disciplines, ils étaient plus avec, tu vois, entraîneur. Et au fond d'eux, de ce maître, futur maître, il y avait un manque d'un point de vue technique, des problèmes au niveau peut-être fédéral, etc., etc. Donc, la seule échappatoire, c'est de créer sa propre école pour pouvoir aller plus loin et travailler ce qu'il a envie. De ce point de vue-là, c'est propre. c'est niqué. Tu vois, ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est parce qu'il n'a pas eu la maître. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, chez Atsumi Sensei ou Shizuka Sensei. Il me le dit souvent, surtout Atsumi, qui bon, il a 87 ans maintenant. Et il disait Shiranai, Shisho Motenai. Il ne faut pas lui en vouloir, il n'avait pas de maître. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. C'est un peu comme un orphelin. L'orphelin, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche toujours qui est ses parents et pourquoi l'ont-ils abandonné. C'est très simple. Hein. Eh ben, quelqu'un qui n'a pas eu de maître, c'est quelqu'un qui recherche un maître et qui ne comprend pas pourquoi aucun maître ne veut pas le prendre. Alors, quelquefois parce qu'il n'est pas bon, ou quelquefois parce qu'autour de lui, il n'y a pas, ou il n'a pas créé, on va dire, la situation économique et sociale dans laquelle il vivait ne lui a pas permis de partir au Japon, de partir en Chine, de rencontrer le maître, de voir qu'est-ce qu'il fallait. Et il y a l'âge, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que créer une école, ça a du bon, tout dépend de comment c'est fait. Et pourquoi, toujours. Tout à fait, donc rien à dire, je te remercie. C'est ce genre de questions qu'on aimerait souvent avoir. Tu vois, ça, c'est des questions de pratiquants. Là, tu as posé des questions de pratiquants. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu comme Léo. Léo pose de très bonnes questions de pratiquants. Quand un pratiquant rencontre un pratiquant, il ne peut y avoir que des questions pratiques et intéressantes. Ah, c'est ce que je pense. Mais je te remercie. Merci de prendre le temps d'y répondre. Puis merci de la gentillesse dont tu fais preuve. Est-ce que toi, tu as une question que tu aurais voulu me poser par rapport à cette évolution, même si je ne suis pas historien et je pense que je n'aurais pas grand-chose à dire? Non, au contraire, loin de là, parce que je pense que les avis de tout et chacun, c'est ce qui crée l'histoire. D'abord, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des arts martiaux et dans cette évolution des arts martiaux, qu'est-ce que tu penses de la création des nouvelles écoles? Tout en sachant que, bien entendu, tu pratiques une école nouvelle. Qu'est-ce que je pense de l'évolution des arts martiaux? Pour moi, les écoles qui ont traversé les temps sont des écoles qui ont su évoluer, qui ont su s'adapter. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, les armes ont évolué, les techniques sur les champs de bataille ont évolué, et celles qui n'ont pas évolué sont tout simplement périclitées. Voilà, c'est comme toutes les techniques de n'importe quoi. Les arts martiaux sont une technique pour moi. Donc, la technique est un moyen, bien sûr, mais c'est une méthode qui met en place des techniques. Et du coup, elles sont obligées d'évoluer et de se mettre au goût du jour. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il est important pour moi de pratiquer en extérieur, pour s'habituer à l'environnement, à la tenue qu'on peut avoir, voilà, c'est des choses... Différents types de vêtements, les chaussures, sans chaussures, etc. Tout à fait. Etc. Tomber sur un sol moins dur, tomber sur de l'herbe, tomber sur du sable, courir sur du sable, voilà, c'est des choses, ça peut paraître anodin, mais c'est des choses qui me semblent importantes. Quant à créer sa nouvelle école, tu le dis, je viens d'une école qui a été créée, je pense qu'il faut savoir le pourquoi on crée son école. Il faut le faire dans le respect de ceux qui nous ont précédés. Si un jour je devais monter une école, je ne dis pas que c'est ce que je veux faire, mais si un jour je devais monter une école, je ne m'envisagerais même pas le faire. Déjà, je m'envisage difficilement créer une école, hein, avec mon petit niveau, mais je m'envisage même pas le faire une seule seconde sans en parler à mes enseignants, et sans en parler à mes maîtres, à ceux qui m'ont guidé depuis le début, quoi. Je ne pourrais pas faire ça, même si je venais à me brouiller avec eux, je ne vois pas comment je pourrais le faire. Ça m'est jamais arrivé de me brouiller avec un maître, mais voilà, même si je ne verrais pas, parce que sinon, ça ne serait pas moi. Je comprends que certaines personnes, par exemple, je pense à Kazé, il y a le Kazéa qui s'est créé, la façon de faire, que la personnalité soit tellement forte qu'elle influence, qu'il y a un courant qui se crée. Et peut-être que ce Kazéa aurait pu s'appeler n'importe quel nom, en fait, finalement, autre que Shotokan. Il aurait pu perdre le nom Shotokan et s'appeler autre chose. Parce que, à mon sens, et ça n'engage que moi, l'école a réellement un sens à partir du moment où elle est vraiment très proche du fondateur. Tout à fait. À partir du moment où on s'éloigne du fondateur, on pratique... Voilà, on ne se pratique plus réellement l'école, on pratique l'école vue par l'enseignant. Donc on peut lui donner un autre nom, cet enseignant pourrait lui donner un autre nom. Ça a peu d'importance. Dans un dojo, finalement, le fondateur, il n'est pas là. Quand j'ai pratiqué l'aïkido avec Philippe Léon pendant quelques années, je ne pratiquais pas sous la houlette de Ueshiba. Je ne doute pas qu'il ait appliqué, mais la façon dont ça lui est arrivé, etc., est telle que c'était de l'aïkido de Philippe Léon que j'ai pratiqué finalement. Et quand je pratique celui de Léo Tamaki, bien sûr que je trouve des points de connivence, mais il y a aussi des différences. Et je pense que voilà, ça c'est important pour moi de le souligner. Donc créer une école, ça devient naturel. Et en fait, pour moi, une école, ça c'est le dernier point, elle ne se crée pas, elle émerge. Tout à fait. C'est parce qu'à force d'avoir son style, sa façon de faire, on intrigue les gens se regroupent autour de nous. Et finalement, ben, on a besoin d'un cadre pour ça. C'est plus comme ça que je vois la création d'école, moi, aujourd'hui. Tu vois, ça, quand tu dis ça, ça c'était différent dans les Ryu. Les Ryu, ça se passait pas comme ça. Parce que, en général, le nom pour un Ryu, il était exprimé peut-être à la deuxième ou la troisième génération. Quelquefois, on ne l'exprime même pas parce que c'était il pouvait contenir, si ce n'était pas le nom d'une famille, il pouvait contenir en lui-même l'essence même de l'école. Donc, on n'en parlait pas. Et il faut attendre 2, 3, 4 générations après pour que les choses commencent à se mettre en ordre avec Shoden, Shuden, Okuden, etc., etc. Au début, c'est plus, moi je pratique comme ça, t'aimes, c'est bien, t'aimes pas, salut. C'est ça la différence entre Ryu et Gakko, donc école. Et au moment où ça devient une école, c'est là où ça perd. Pour beaucoup, c'est là où ça perd sa raison d'être, sa logique de combat. Pourquoi? Parce que les maîtres n'avaient pas de dojo. Là où était le maître, le dojo était. Il était le dojo, il était la voie, avec tous ses paramètres. Mais dès que tu commences à institutionnaliser la chose, parce qu'une école, c'est ça, c'est une institution. Dès que tu commences à créer une académie, à poser les choses. Alors, attention, il y a beaucoup de points positifs dans le fait de créer une école. Donc, c'est un endroit où les gens vont venir, donc ça sera posé, donc on va enseigner moyennant finance, moyennant quelque chose en échange, on va être dans l'ordre dans le cadre respectif de l'éducation, on va sûrement s'intégrer ou s'insérer dans certains types, dans le quartier, ou va savoir dans la ville, etc. etc. Donc, on va enseigner les choses, on va devoir créer de la pédagogie, créer des niveaux, et petit à petit, on ne pratique plus. Parce que la pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est pas ça. C'est très difficile d'avoir une école et de pratiquer en même temps. C'est extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire que c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est faisable, mais il faut vraiment avoir de la foi. Et il faut vraiment avoir une sacrée épée de Damoclès au-dessus, s'il n'y a pas de maître. Oui, oui, je comprends. Merci pour la réponse, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci déjà d'avoir posé la question, merci du temps que tu prends. Non, c'est normal. Et puis merci pour tout, merci. Maintenant c'est à vous de jouer, partagez, commentez, likez, vous connaissez tout ça. N'hésitez pas si vous voulez en connaître plus sur le travail de Kacem, on vous met ses différentes conférences en anglais et puis ses livres en français et en anglais. Voilà, n'hésitez pas à aller vous documenter, c'est très très riche. On vous dit à très vite, tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'Experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.